Bonjour, ceci est une rediffusion de live Twitch. Si vous voulez suivre l'aventure de The House in Fata Morgana en live, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, twitch.tv/alexitgf, et sur Twitter, twitter.com/alexitgf, pour suivre mes aventures en live. On se retrouve là-bas. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau live, bien sûr, avec moi, TGF, évidemment, ça ne change pas. Mais du coup, dans le dernier live, on avait quand même bien avancé, on avait fait en fait l'histoire du Bretter dans The House in Fata Morgana, dans la dernière porte. Comme vous voyez, on rapproche de plus en plus de la fin du jeu. Je voulais éventuellement finir avant la sortie de Ghost Trick pour pouvoir aller sur Ghost Trick juste après. Mais il se trouve que le jeu est un peu plus biffy que je le pensais. Ce qui est bien finalement, parce que finalement, le jeu actuellement, j'ai combien d'heures actuellement sur le jeu sur Fata Morgana? J'ai actuellement 48 heures sur le jeu. Ce qui est pas mal, hein, franchement, 48 heures pour un jeu, pour un visual novel, c'est quand même pas complètement hors de propos. On va dire 48 heures moins les 1 heure de pause, on va dire 47 heures quoi, 47-46 heures. Et franchement, je les ai pas fait passer. C'est dire. On est là à 50 heures, donc ouais, donc on est pas loin, on est vraiment pas loin de la fin. Et bonjour Zéro du coup à toi, bienvenue à toi. Et on va se mettre d'ailleurs sur l'écran du coup, over les plein écran. Nous allons faire Fata Morgana. Est-ce qu'on va terminer aujourd'hui? Ah, rien n'est moins sûr, parce que je pensais quand même terminer, comme je dis, avant Ghost Trick. Mais malheureusement, faut que constater qu'aujourd'hui c'est Ghost Trick qui sort, et du coup j'ai pas eu le temps. Par contre, pour information, pour ceux qui ne savent pas, le premier épisode de Ghost Trick est sorti hier, enfin est sorti en fait, le premier épisode de le replay du Let's Play de Ghost Trick est sorti aujourd'hui même à midi, donc avec le premier chapitre de l'aventure de Ghost Trick. D'ailleurs, franchement, un truc qui était d'ailleurs très très cool à noter, quand j'ai testé un peu Ghost Trick pour être sûr qu'il n'y a pas trop de soucis pour la suite, et surtout, par rapport à un problème, c'est que en fait, vu que même que j'avais fait les deux premiers chapitres en live via la démo, le jeu m'a pas considéré que j'ai débloqué le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc du coup, j'ai fait le chapitre 1 et le chapitre 2 en rapidité. Et ce qui est bien, c'est que je vous montrerai pourquoi c'est bien, mais il y a un truc qui est très très bien. Et je vous montrerai ça quand on y sera, plus tard dans la journée, soit plus tard dans la journée, soit éventuellement lundi. On pourra voir. Mais en tout cas, on va se mettre tranquillement sur Fata Morgana, avec l'aventure qui nous attend et que je ne sais pas si on va le terminer, mais en tout cas, on avance encore plus sur ce jeu qui, franchement, pour l'instant, si je devais donner une note actuellement, à voir comment ça se goupillerait pour la toute fin, mais pour l'instant, on serait sur du 16-17, voire du 17,5, parce que bon, malgré tout, la porte 1 fait que je suis obligé de baisser au moins d'un ou deux points par rapport à ce que je pense, parce que techniquement, je pense que ce serait 18,5, mais la porte 1, malgré les explications qu'on nous a données qui un peu amenuisent le truc, ça reste toujours assez compliqué pour moi. Mais quand même, on serait sur du 17-17,5 actuellement sur ma note finale. Comme je dis, ça dépendra aussi de la fin. La fin peut augmenter éventuellement à demi-point pour arriver à 18. En tout cas, alors, au niveau des aspects que j'ai fait en tout cas en live, pour l'instant, c'est pas le meilleur. Parce que le meilleur reste pour moi. Et je sais que certains vont pas, peut-être te connaissent pas, mais du coup j'ai aussi parlé dans le thread que j'ai fait pour les soldes de Steam. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont retweeté mon tweet sur le compte, enfin, par rapport au retweet du compte Estanny qui a explosé avec beaucoup de personnes qui ont retweeté et qui ont liké. Merci à vous. Mais aussi parce que j'ai fait le thread du coup des soldes de Steam, donc avec toutes les soldes des différents jeux, notamment Fata Morgana, il y avait les Sentinel Quest chez Shinima Story. Et justement, ce qui était hyper intéressant, c'est que justement, de Sony Hockey chez Mastery actuellement à moitié prix. Et franchement, si vous avez la possibilité de l'acheter, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est un jeu magnifique, n'hésitez pas. Mais du coup, je remercie aussi tous ceux qui ont retweeté le trade des soldes, notamment Atto qui a retweeté le trade, une partie du trade sur Zero Escape, merci à toi. Je sais que tu es en train actuellement de live sur Final Fantasy VII, je sais que... C'est pas trop mon truc, mais bon, ça reste toujours intéressant de savoir que tu es en train également de streamer. Mais, du coup, nous continuons notre aventure sur The House in Fata Morgana. Avec le tueur et la nonne. Parce qu'en fait, on avait fait toute l'histoire du Bretter. Ouais, à tout qui est RT, ouais.
Ça m'a choqué pour être honnête. Hein. Ça perce, ouais, entre guillemets. Très bien. Donc en fait, on est juste après l'histoire du bretteur qui nous a expliqué en gros que. On va dire, il a été un peu. On va dire, il a tué tous les membres de la carriole dans laquelle se trouvait Morgana sans justement l'attaquer, que c'était uniquement une ancre pour lui. Et que après il a rencontré Pauline par hasard parce qu'en fait il était malade donc après il a eu une discussion avec Pauline et de plus en plus ça a commencé à on va dire à s'amocher même si techniquement le bretteur lui-même n'était pas amoureux de Pauline mais Pauline par contre l'est effectivement et c'était un peu une encre et puis après il a été demandé par le Seigneur. Donc monsieur Jean-François, je ne sais plus son nom exactement. Le Seigneur, du coup, de capturer en fait de capturer la sorcière et puis après ça suit un petit peu l'histoire de Mel, donc Mel qui a été coerced, a été forcé à aider le bretteur pour aller justement récupérer Morgana qui est maintenant emprisonnée et maintenant on a deux clés techniquement puisque normalement Bretter va nous donner une deuxième clé. Et c'est Jean-François Barnier, voilà c'est ça, merci beaucoup. Voilà tout. Effroyable, non? Morgana. Par contre, c'est toujours aussi fort, hein, malgré tout. Malgré les Twitch que j'ai pas fait pour l'instant, le son de la musique est toujours trop fort, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est quoi comme ça. Si vous m'haïssez pour ce que je lui ai fait, vous pourriez prendre mon épée et le tuer avec. Et vous pourriez avoir ma clé, je me laisserai faire. Vous êtes en droit de m'infliger ce châtiment, n'est-ce pas? Vous tuer n'aiderait en rien. Ce n'est pas à moi de vous pardonner ou vous punir. Bonjour Lily, bonjour à toi et bienvenue sur ce stream sur Fata Morgana. Et peut-être qu'on fera du Ghost Trick un peu plus tard. Faudra voir, ça dépendra du temps qu'il me reste. Quand bien même ça me ferait beaucoup de bien, il ne servira à rien de vous tuer. J'aimerais que vous me laissiez un peu le temps pour digérer cependant. J'ai besoin de temps pour me calmer et vous parler sans m'énerver. Bien sûr! Alors, vous voulez toujours parler avec moi? Je vous ai donné ma parole. Je vous ai dit que je vous aiderais à trouver le chemin à suivre. Vous êtes un homme d'honneur. Si vous n'avez pas envie de le faire, je ne vous forcerai pas la main. Il vous suffit de dire que de me dire de partir, et je m'en irai aussitôt. Plus que de la colère ou de la haine. Je ressens tout simplement un profond chagrin. Peut-être que les choses auraient été mieux tournées si j'avais eu autant d'empathie que vous. Les gens sont censés ressentir de la joie ou de la tristesse pour les autres. Mais moi, j'en suis incapable. Ce qui doit faire de moi une bête. La première fois que vous m'avez rencontré Morgana, vous avez senti le désir de la libérer de ces marchands d'esclaves, n'est-ce pas? Vous avez pensé à quelqu'un d'autre que vous-même. Mais je n'ai pas pu réaliser ce désir. Ma soif de sang a dominé tout ce que j'ai pu faire. Tout ce que j'aurais pu vouloir pour elle. Et la seconde fois, je l'ai vendue au Seigneur. Comme j'ai dit auparavant, il n'y a pas de place pour l'interprétation pour ce que j'ai fait. Quoi que j'ai voulu faire à un point ou à un autre, tout ça n'a aucune importance désormais. Au final, à chaque fois que je fais quelque chose pour les autres, cela finit toujours par me servir à mes propres intérêts. Parce que c'est de son dont moi j'ai besoin. Même si vos motivations se sont avérées égoïstes en dernier lieu. Laissez-moi croire, s'il vous plaît, qu'une partie de vous avait vraiment envie de l'aider. Très bien. Je sais que ça va vous sembler hypocrite, mais je ne veux pas rester sans agir en attendant sa mort. Quand je lui ai coupé le bras, je n'ai ressenti aucune de cette excitation ou de cette euphorie habituelle que j'éprouve quand j'utilise mon épée. Je ne saurais dire si cela signifie que j'ai une conscience, ne serait-ce qu'un instant, ou si c'est parce que je n'étais pas tout à fait moi-même. Mais si vous voulez la sauver, si vous pouvez la sauver, je vous en prie, faites-le. Je ne peux rien faire. Si je tente quoi que ce soit, je risque d'empirer les choses. Je ne peux pas non plus tout faire tout seul. Promettez-moi que vous me racheterez
vous racheterez auprès de Morgana pour ce que je lui avais fait. Je doute fort que me repentir puisse m'absoudre de mes crimes. Mais si c'est ce que vous voulez que je fasse, je le ferai, je vous le promets. Puis-je vous poser une question? Qu'est-ce? Dites-moi en plus sur ma prochaine vie. Je veux savoir quel genre d'homme je suis. Je veux savoir quelle erreur, chaque erreur que je fais. Je veux connaître tous les détails. Je préfère vous prévenir, c'est un conte bien plus barbare que tout ce que vous avez pu imaginer. Vous voulez quand même l'entendre? Oui. Et je suis certain que j'en croirai chaque mot. Si vous avez peur que je réagisse comme je l'ai fait ou plus tôt, je vais déposer mon épée. Vous pouvez ainsi m'attacher, si vous voulez. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais vous faire confiance. Je vais vous raconter toute la vérité, l'horrible, la tragique vérité. Tout ce que j'ai vu, sans rien embellir. Merci. Et donc, je lui ai raconté l'histoire dont j'avais été témoin à la deuxième porte. Je lui ai dit qu'il avait perdu la mémoire dans un naufrage, qu'il avait été traité comme une bête sauvage par les gens du continent, et où il s'était échoué, qu'il avait massacré un nombre incroyable de gens, et qu'il avait pris la vie de sa fiancée, qui était venue à sa recherche, convaincu envers et contre tout qu'il était toujours en vie. Je lui parlais de la fille aux cheveux blancs. Je lui dis qu'il obligea Gisèle, ce qu'il obligea Gisèle à faire. Je ne lui cachais rien. Durant mon récit, je vis de temps en temps son visage se durcir ou ses yeux s'agrandir l'espace d'un instant, mais pas une seule fois il m'interrompit. Il resta assis en silence jusqu'à ce que j'ai fini. Vous ne plaisantez pas? C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. C'est pourtant la vérité. Vous devenez la cible de la haine de Morgana, et votre âme est traînée jusqu'à ce manoir. Voilà ce qui vous attend dans le futur. Aussi difficile que ce soit à admettre, cette personne, c'est vous. L'homme qui a fait toutes ces choses dans quelques siècles, c'est vous. Je suis vraiment une bête. Une créature horriblement instable. D'après mon interprétation, quand vous avez perdu la mémoire, vous avez aussi perdu tout ce qui vous utilisait pour réprimer votre vraie nature. Vous avez perdu les fondations que vous vous étiez reconstruites, et par conséquent, vous n'étiez plus capable de maintenir l'équilibre. Voulez-vous dire que mon état actuel est relativement parlant humain? Non, je ne suis pas différent aujourd'hui. Je n'ai pas de moindre contrôle sur moi-même quand je tue les gens que l'homme que vous venez de décrire. Vous m'avez fait faire des choses innommables, n'est-ce pas? Et malgré ça, vous n'avez jamais été condescendant, insultant. Vous m'avez jamais manifesté de dégoût ou de peur. Est-ce que tous les gens sont aussi compatissants que vous? Je ne suis pas un ange. Je me suis tout simplement retenu. Mais alors, est-ce que vous avez peur de moi? Oui ou non? Je n'ai pas peur de vous, non. Qui êtes-vous dans ce cas? Je ne comprends pas. Je suis convaincu que ce n'est pas le moment de laisser mes sentiments personnels influencer mes actes. Ma tâche est de sauver Morgana. Pour être honnête avec vous, je méprise l'homme que vous êtes devenu dans le futur. Mais je suis tout autant frustré que par moi-même. Vous avez raison. Ce que vous avez fait est inqualifiable. Vous avez assassiné des innocents. Vous avez tué la femme qui est venue à votre secours. Mais en ce qui me concerne, ce qui me fâche le plus, c'est que vous avez essuyé le sang des mains de la femme que j'aime. Je sais très bien que pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, mais c'est quand même votre âme. Ça me rend fou de savoir que je n'ai pas pu revenir à temps pour l'empêcher. Vous auriez bien du mal à trouver quelqu'un qui ne soit pas énervé en apprenant qu'un de ses proches ait subi un tel traitement. J'imagine. Mais si c'était votre sentiment, vous n'avez pas envie de vous venger, non? Comme je l'ai dit avant, il y a des moments où il n'est pas bon de laisser nos émotions nous diriger. C'est précisément le cas aujourd'hui. Chercher à me venger n'est pas vraiment la bonne chose à faire pour le moment. Si j'arrive à supprimer la haine de Morgana, vos trois âmes seront également libérées. Ah donc, vous allez également me sauver? Oui. Je ne me considère pas comme étant digne de rédemption. Surtout après avoir entendu ce que j'allais faire à l'avenir. Je suis une bête de part en part. Un pervers, un monstre, un malade. Mais vous étiez partagé. Vous luttiez contre la créature tapie en vous.
C'est vrai, vous avez eu un plaisir malsain à blesser et à tuer, mais vous avez réussi à ressentir de la bonté, ce qui a poussé une partie de vous à rechercher la paix. Et on peut en dire de même de pour vous, dans cette époque-ci. Si vous n'étiez vraiment qu'une bête, ou plutôt rien qu'un homme éprouvant du plaisir à tuer, alors peut-être que j'aurais eu raison de vous agonir d'insultes. Alors vous auriez été irrécupérable, quel que soit ce qui vous aurait transformé. Quelle que soit la quantité de douleur, de souffrance qui vous ait mené à ce point. Mais votre instabilité, vos désirs qui changent constamment, votre fragilité mentale, tout cela me paraît très humain. Ah, dites-moi, à combien devrais-je mener ma vie à désormais? Qu'est-ce que vous désiriez le plus? La voie la plus aisée pour moi serait la celle sur laquelle je suis actuellement. Continuer d'être un tueur. Sans combattre mes désirs, sans lutter contre ce qui me ronge. Si j'abandonne tellement totalement mon côté humain, y trouverais-je mon salut? Je ne sais pas quoi faire. Ce que je suis censé faire. Je suis complètement perdu. J'aimerais croire que votre désir de vivre en paix est sincère. Voilà ce que je veux pour vous. Ce sera le chemin le plus éprouvant, certes, parce que vous aurez à lutter contre votre nature pour maintenir le cap. Mais nous vivons dans le monde des humains. Et vous avez aussi Pauline, qui veut la même chose que vous, qui vous tend la main, qui vous invite à la rejoindre. Je vous encourage donc à réprimer vos pulsions. Votre vie ne sera pas plus facile, mais je vous implore de prendre la voie escarpée, pour votre propre bien et pour le sien. Même si ça signifie que toute ma vie reposera sur un tissu de mensonges. Jusqu'à aujourd'hui, je croyais que c'était mal de ne pas être fidèle à soi-même. Mais en vous écoutant raconter votre histoire, j'en suis venu à comprendre qu'il y a peut-être des exceptions. Il y a certaines choses que vous pouvez, et même que vous devriez, garder enfouies en vous, et où elles ne peuvent pas blesser personne. Cependant, je pense aussi que vous avez tendance à vouloir être trop parfait quand vous êtes avec elle. Attendez, excusez-moi, j'ai un peu copié. Dans cette vie et dans la suivante, vous vous cachez tellement que vous devenez une personne entièrement différente. Vous pouvez être imparfait, hésitant avec elle. L'homme que vous avez que vous êtes devant moi, perdu, qui essaie de trouver sa voie. Je suis sûr qu'elle acceptera cet homme-là. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est de vous contrôler. Je vois. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous pensez que mon futur peut être changé? Je n'en suis pas certain, je ne peux que formuler des hypothèses. Mais comme vous partagez la même âme, j'imagine que tous les changements que vous ferez maintenant se reporteront dans votre incarnation future. J'ai du pain sur la planche. Pauline, elle croyait en moi. Elle a cru en une bête et est allée à sa recherche. Je ne peux me permettre d'être le monstre qui serait prêt à tuer une femme contre elle. Je dois changer. Je vais changer le futur. Vous pouvez y arriver. Lorsque ma vie s'achèvera, je prierai pour que la prochaine soit meilleure. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir guidé. Je ne peux pas dire que je sois particulièrement doué pour cela. Savoir que mes paroles vont influencer le cours d'une autre vie, ça me met énormément de pression. Ah bah c'est sûr, d'après moi vous vous en sortez très bien pourtant. Si jamais vous décidez d'arrêter d'être un ange, vous ferez un missionnaire sacrément persuasif. Je n'ai aucune envie d'être missionnaire et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un ange. Dommage. Je rejoindrai bien l'église de Michel. Ah bah la veine de me regarder comme ça, c'était pour plaisanter, n'est-ce pas? Et maintenant, vous permettez que je m'énerve. Comme je vous le répète, je suis un homme tout ce qu'il y a de plus banal. Je n'ai rien de spécial, contrairement à vous, à ce que vous semblez penser. Vous n'êtes pas banal. Vous êtes différent, mais pas de la même manière que moi. Je suis... Je n'aurais jamais demandé à un homme banal de me montrer la voie à suivre. Je vois. Cela dit, ce qui passe pour normal diffère d'une personne à l'autre, j'imagine.
J'ai beau ne pas vous croire normal, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui le pense. Il y a des gens qui le pensent. Peut-être. Ou peut-être qu'ils sont juste incapables de voir mon désir être normal. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suppose que vous voudriez ensuite parler au Seigneur, non? C'est exact. Je vais le convaincre de me remettre sa clé. Et puis ensuite, je pourrai libérer Morgana. Je doute que vous ayez le moindre chance de le convaincre de quoi que ce soit. Mais je vous aiderai du mieux que je peux. Je vous remercie. Je vais m'arranger pour qu'il vienne souper ce soir. Soyez là vous aussi. D'accord, j'y serai. Mais si je peux vous me permettre de vous demander une faveur, est-ce que vous pourriez essayer de le faire venir le plus tard possible? Ça devrait être faisable, mais pourquoi? J'ai besoin de parler à quelqu'un d'autre d'abord. Très bien. Je vais faire ce que je peux. Merci. À ce soir. L'ai-je guidé vers le bon chemin? Y trouvera-t-il la rédemption? Non, j'ai fait le bon choix. Même s'il n'en a pas dans cette vie, il y a de fortes chances qu'il l'ait dans la prochaine. Plus qu'un et ce sera fini. J'y suis presque, Gisèle. J'aurai bientôt rejoint Morgana. J'ai déjà fait un bon bout de chemin. Tout ce qu'il me reste à faire désormais, c'est de parler au Seigneur. Reste concentré, Michel. Je n'ai pas encore réussi à recoller tous les morceaux. Comme Morgana me l'avait raconté, le Seigneur est un homme cruel depuis le départ, dès leur première rencontre. Et ce n'était pas très différent dans le récit, il n'était pas très différent dans le récit du bretteur. Est-ce que, justement, ces portraits forment le tableau complet de cet homme? Est-ce que, si on ajoute son point de vue, ça ne fera qu'amplifier la haine de Morgana? Et si vraiment il se trouve exactement être le même homme qu'il est censé être? Alors comment expliquer son combat intérieur dans la troisième porte? Est-ce que sa personnalité aurait changé avec le temps? Pourtant, tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici étaient fondamentalement les mêmes. Seriez-vous l'exception? Jacopo? Morgana a découvert ce qu'était la joie durant ces trois années passées au bordel. Elle en a pleuré de ne pas avoir eu la chance de les remercier. Alors peut-être que Maria sera plus susceptible d'apaiser l'animosité de Morgana. Je dois entendre ce qu'elle a à dire. Je peux à peine bouger. Mon bras droit. Je ne sens plus du tout mes doigts. Ça brûle. J'ai réussi à tenir le coup jusque là, mais punaise, ça fait mal. Pourquoi serais-tu obligé de... Alors, pourquoi serais-tu obligé de distribuer des miracles sans rien en échange? Je connais cette voix. Je lève les yeux et je vois quelqu'un. Une femme. Elle est enveloppée d'une brume noire et je n'arrive pas à discuter aucun détail. Mais même à travers l'obscurité, je sais tout de suite qui elle est. C'est mère. Ma. Non, ce n'est pas ma mère. C'est... Mais qu'est-ce qui vous prend de poser une telle question, mère? On tient à peine le coup, ma chérie. Ce n'est pas mal de demander une petite rémunération pour nos services. Non, mère, c'est mal. On ne marchande pas avec les miracles. Dieu le Père ne fait pas payer ses miracles. Alors pourquoi devrions-nous le faire, moi qui ne fais qu'emprunter son pouvoir? Écoute-moi bien, Morgana. À chaque fois que tu donnes quelqu'un une bénédiction, tu te fais mal. Si ce n'est pas pour le miracle en lui-même, tu mérites au moins un minimum de compensation pour la douleur. Je sais que vous vous inquiétez pour moi, mère. Et je vous suis reconnaissante. Mais je suis heureuse ainsi. Je suis heureuse d'aider les autres avec le pouvoir du Père Céleste. De mon Père Céleste. Un pouvoir que tu n'auras pas plus très longtemps, ma chérie, si on n'arrive plus à se nourrir. Je suis une sainte, n'est-ce pas? Oui, tu es mon adorable petite sainte. Dieu n'abandonnera pas sa sainte. Quelles que soient les difficultés, il sera toujours là pour me fournir un moyen de poursuivre son œuvre. Et vous, vous êtes la mère de cette sainte, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je t'ai conçue sans avoir été touchée par les mains d'un homme.
Alors vous devriez aussi respecter sa volonté, mère. Ça va être notre priorité absolue. Tu as raison. J'avais tort, ma chère chérie. Mère! Mère! Vous êtes d'accord avec moi? Vous disiez que j'avais raison? Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous acceptez l'argent de cet homme? Mère! Mère se tourna vers moi, tandis que d'étranges me poussent dans un chariot. D'étrangers poussent dans un chariot. Le regard qu'elle me lance me donne le froid dans le dos. Je vois ses lèvres bouger. Elle ne prononce pas ces mots à voix haute, mais j'arrive à en déchiffrer chaque syllabe. Parce que tu ne me sers à rien. Bienvenue, fille de Dieu. Tu réaliseras 10 miracles pour moi désormais. Non, du coup, non, c'est pas ça. C'est Jacobo. Bienvenue, fille de Dieu. Tu réaliseras 10 miracles pour moi désormais. Enfin, quoi que tant. Est-ce qu'il y a deux signes? Attends, est-ce que. J'ai une question. Le seigneur, on est bien d'accord que c'est Jean-François en ce. Ou alors c'est un autre seigneur? Parce que je sais qu'il y a deux seigneurs, mais est-ce que c'est le même? 0, est-ce que tu peux me confirmer ça? Est-ce que c'est bien Jacopo? Enfin, Jacopo Jean-François. Je pense que oui. Bah, normalement, ça va être ça. Si on est logique, normalement, les trois ont été. C'est vrai que les trois ont été rencontrés dans l'histoire, donc techniquement, ça peut être que ça. Et si tu te montres coopérative, je te garantis que tu auras une vie plus que confortable. Les miracles ne sont pas des performances à réaliser pour le bénéfice d'une seule personne. Quoi? Les miracles n'ont plus rien à voir avec la magie. On va être les tours de passe-passe. C'est un don précieux qui m'a été accordé. Non, non, les miracles n'ont rien à voir avec la magie ou les tours de passe-passe. Excusez-moi, c'est pas la bonne voie. C'est un don précieux qui m'a été accordé par mon père qui est aux cieux. Utiliser son pouvoir pour sa gratification personnelle est un péché grave. Je ne fais rien de tel. Je vous recommande de bien réfléchir au sens de vos actes. Débarrassez-vous de désirs aussi égoïstes et consacrez-vous à aider les autres. Le pouvoir qui vous a été donné vous a été conféré par la main de Dieu. Ce n'est pas votre pouvoir. Il vous permet seulement d'en faire usage pour une courte période. L'orgueil est un péché. Je vous en prie, songez à votre conduite. Mais c'est qu'une gamine insolente et sacrément ignorante à ce que je crois. Je t'ai acheté. Tu es ma propriété. Tu n'as pas le droit de voir une opinion. Ce n'est pas mon opinion. C'est ainsi que va le monde, tel que Dieu. Silence! Tu n'es pas ici pour parler. Tu es ici pour réaliser des miracles pour mes hôtes et moi. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne ferai rien de tel. Ce que tu feras ou non est ma décision, pas la tienne. Dit le seigneur en partant d'un rire qui donne la nausée. Puis il me tire par les cheveux et me jette par terre. Je le supplie d'arrêter, mais il n'écoute pas un seul mot de que je lui dis. À la vôtre, le sang d'une sainte, bonne santé à tous. Je fixe vaguement la foule réunie pour le festin sanglant du seigneur. À chaque fois qu'il a les invités, il organise une nouvelle fête, et à chaque fois, il coupe une autre partie de mes bras ou de mes jambes. J'en suis rapidement réduite à ne être qu'un affreux réseau de cicatrices qui se chevauchent l'un de l'autre. Ah d'ailleurs, c'est intéressant que du coup, on comprend que c'est Morgana qui parle, mais du coup que le « me », les « je », les « nous », les « me », les trucs comme ça, soient entre guillemets. Je pense qu'il y a vraiment un but dans ce sens-là. Le seigneur avait parfois du mal à décider où il va m'entailler. Mais par sympathie pour moi, il pense simplement que si je prends du sang d'une non encore touchée, ce sera plus efficace. Le seigneur me découpe méthodiquement jour après jour. Je crois que je vais utiliser ton ventre aujourd'hui, sainte. On devrait pouvoir épuiser un bon petit sang bien pur à cet endroit-là. Arrêtez, vous ne voyez pas ce que vous faites est un affront au seigneur? Je suis libre d'agir, comme je l'entends, sur mon domaine. Sainte ou pas, tu n'en es pas différente de mes autres esclaves. Le Seigneur est très mécontent de vos actes. Alors utilise tes pouvoirs miraculeux pour m'affliger un sentiment divin. Vas-y, tu en es capable, non? Votre âme sera punie. Vous n'en voyez pas encore les effets, mais un jour, vous paierez pour vos crimes.
Ah, tu n'es pas aussi menaçante que tu le crois, fillette, toute nue que tu es. Pas la peine de me regarder. Pas la peine de me regarder comme ça. Je n'ai pas l'intention de prendre ça aussi. Personne ne voudrait coucher à une fille couverte de cicatrices repoussantes. Ah. Il ne me reste plus qu'à endurer jour après jour les tortures et les humiliations que du Seigneur qui cherche de nouveaux emplacements pour y plonger son couteau. Tout mon corps, à l'exception de mon visage, est couvert de plaies rougeâtres. Je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Notre Père qui es aux cieux, je prie pour que tu me délivres. Père, tes épreuves sont bien trop grandes. Ah, on est revenu avec Michel. Morgana, c'était bien plus net que la première fois. Tout ce qu'elle ressentait, sa lutte, sa sincérité, sa souffrance et sa voix. On aurait presque dit que c'était moi qui subissais tout cela. Ah, le Seigneur. Je comprends pourquoi Morgana m'aurait une haine aussi tenace envers lui. Quand on pense à tout ce qu'il lui a fait subir. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser à l'agir ainsi? Y a-t-il une raison? Une explication à ses actes? Ah. Je me sens complètement épuisé, comme si c'était moi qui venais de passer les derniers mois à être vidé de mon sang encore et encore. Mes membres sont tellement ankylosés que j'ai l'impression qu'il y a attaché de gros rochers. C'est vrai qu'il n'y a plus Gisèle. Et ça, c'est un truc que du coup j'en ai remarqué depuis, on va dire, après une journée. Mais je pense que c'est parce que c'est pour... Je pense pas que c'est une... Je pense que c'est juste parce que, on va dire, malgré qu'elle soit, on va dire, dans les ténèbres commencent à l'accueillir complètement. Donc elle disparaît de plus en plus. Le seul fait de me mettre debout me suffit à me donner tournée. J'ai froid. Elle est probablement en train de m'attendre. Je devrais y aller. Il faut que j'y arrive. Avance, bordel! Tout en luttant contre les tentatives de mon corps de succomber à la gravité, en me battant pour chaque pas que je fais, par la force de ma volonté, je me dirige vers la cour. Ah! Ah! Te voilà enfin! Dieu merci, tu es venu! Me sens pas très tranquille à fureter sur les altars de l'église. Alors si tu... Ça va? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Je vais bien. Merci d'être venu. Alors, pour continuer notre conversation de la veille... Oh, ralentis un peu, quoi. Tu te trompes de personne, là. Tu as l'air aussi bien que la putain de mort-vivant. Si tu te sens pas bien, on peut toujours remettre ça une autre fois. Eh, oula, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Elle a épuisé son énergie, c'est ça. Une blessure mineure. Rien d'important. Sérieusement, tu te payes ma tête ou quoi? Je peux très bien en sortir sans quelques doigts. Il faut que tu penses encore à toi un petit peu, aussi. Tu tiendras pas longtemps si tu carbures comme ça, à la va comme je te pousse. Si tu carbures à la va comme je te pousse. Pas facile à dire. Et pense un peu à la position dans laquelle tu te mets. Tu m'as demandé une petite conversation et tu te pointes dans cet état. Si tu veux avancer, commence d'abord par prendre soin de toi. Retourne dans ta chambre et repose-toi. On fera ça un autre jour, d'accord? Quand tu sentiras. Je n'ai pas le temps. Demain midi, c'est ma limite. Je dois avoir tout réglé d'ici là. Je sais très bien dans quel état je suis. Mais ça ne change pas au fait que ça ne change rien à ce que je dois faire. Si j'échoue, je ne pourrai pas sauver Morgana. Je ne pourrai pas ramener Gisèle. Ah, donc c'est d'autant plus important que tu te reposes. Et quand suggériez-vous que je le fasse, au juste? Honnêtement, je vois pas pourquoi tu te mets dans tous les états. Reprends-toi, bordel! Je suis très calme. Ben, on dirait pas. T'es déjà sur les nerfs. J'ai pas envie d'être celle qui va te faire craquer pour de bon. Alors arrête de prendre le bec avec moi, rentre tes fesses à l'extérieur et va dormir.
Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Personne ne comprend. Vous ne saisissez pas à quel point il est important d'empêcher de ce qui va se produire demain. Il faut que je continue à avancer, même si je finis par ramper dans la boue. Si je m'arrête, non seulement j'aurai échoué à améliorer les choses, mais Morgana vous aura préparé, c'est certain, des destins encore pires, tant que sa malédiction suivra. Je suis le seul ici à savoir ce qui vous attend. Et ça fait de quoi, toi ? Un prophète ou un truc du genre, c'est ça ? Non, pas vraiment. Mais pour le traduire en termes qui correspondent à cette époque, c'est ce qui convient le mieux. Vous me croyez pas ? Bah tu sais, tu me demandes beaucoup. C'est pas grave. Faites comme vous voulez. Mais à tout le moins, je veux que vous me croyez quand je vous dis que moi, je sais que quelque chose de terrible va arriver demain si je ne fais rien. Que moi, je pense que je n'ai pas de temps à perdre. J'ai juste besoin que vous me disiez ce que vous savez plutôt. Vous pouvez faire ça pour moi ? Admettons que tu sois vraiment un prophète, pour de bon. Pourquoi tu te barres pas, je sais pas moi, directement dans cette ville ? En disant, c'en est trop, fais chier, et en disparaissant dans la nuit. Personne n'ira te jeter la pierre. Putain, si ça se trouve, personne ne va même remarquer que t'as fait quelque chose si tu réussis, non ? Je ne recherche ni attention, ni louange. Je ne peux pas rester les bras croisés, assis sans rien faire, sachant ce que je sais. J'ai vu ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Je sais ce que Morgana a subi, ce qu'elle a ressenti. Je ne peux pas l'abandonner à son sort, plus maintenant. Je n'ai pas le droit de laisser ce savoir se perdre. Même s'il est vrai que le manoir continuera à être drapé dans les ténèbres aussi longtemps que le sort de Morgana restera actif. Et que je ne peux pas y mettre le holà tant que j'aurai pas y remédier. Ce n'est plus ma seule motivation. Je veux sincèrement aider Morgana. Gisèle, vous me parliez de ça quand vous me disiez que vous vouliez que je la sauve. Tu m'as tout l'air d'être le genre de type à se faire toujours du mouron pour un oui ou pour un non. Tu sais pas, il y a les mollo, hein. Mais bon, j'imagine qu'en un sens, c'est pour ça que tu balayes ferme, hein. Très bien, t'as gagné, je vais parler. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Merci beaucoup. Mais d'abord, tu poses ton cul par terre. D'accord. Morgana a dit ça. Oui. Elle a décrit ces 3 années-là comme étant les plus joyeuses de toute sa vie. Ah, qui l'a cru ? Mince, ça fait vraiment Je suis vraiment content de l'apprendre. Elle ne vous a jamais dit ce qu'elle ressentait ? Elle n'a jamais vraiment fait d'efforts pour faire partie du groupe. C'est comme si elle avait des murs colossaux tout autour d'elle. Je peux comprendre. Alors oui, j'ai toujours pensé. Je ne savais jamais trop si je fourrais mon nez trop loin dans ces affaires ou non, tu vois. Elle a apprécié ce que vous et les autres femmes avez fait pour elle. Après le raid il y a 4 ans, elle a terminé dans les filets d'un marchand d'esclaves. Durant son transport, elle a prononcé ces mots, les âmes dans les yeux. Je suis triste parce que je n'ai pas eu la chance de témoigner ma gratitude envers ceux que j'aime. Bah ça alors. Et tu en es sûr ? C'est mot pour mot ce qu'elle a dit. T'es pas en train de me raconter des salades, hein ? Ce sont ses paroles exactes, oui. Aussi difficile à croire que ça puisse être. Non, je te crois. Sois juste surprise, c'est tout. Enfin, je veux dire, waouh, quoi. Si j'avais su qu'elle pensait ça, peut-être que je me serais montré un peu plus amical avec elle. Vous n'étiez pas amis ? Pas spécialement. Je veux dire, c'est pas parce que je me suis montré froide ou quoi. C'est juste que toutes les filles gardaient une certaine distance avec elle. Pas parce qu'on l'aimait pas, hein, mais parce qu'on aurait dit que c'était ce qu'elle voulait. De la distance. Et aucune de nous n'était vraiment taillée pour garder des mioches. Des mioches. Ah là là.
quand bien même on aurait aimé être dans une sorte de figure maternelle pour elle, on en était tout simplement incapable. Est-ce qu'il y avait une personne en particulier qui était plus proche d'elle ? Il est mort. L'esclave. Hein ? De quoi ? Un esclave ? Il y avait un jeune homme, un esclave qui avait participé à la révolte du manoir du seigneur, qui avait sauvé la vie de Morgana. Ah, ouais, c'est lui. De nous, c'était celui qui avait le plus de proche d'elle. Ou du moins, qui lui accordait le plus d'attention. Et il est... 6 pieds sous terre. C'est malheureux. Ah, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Les gens vont et viennent, c'est comme ça que va le monde. Je m'étais dit qu'il serait peut-être encore en vie. Ça aurait amélioré les chances de sauver Morgana. Améliorer nos chances ? Il n'y a qu'un moyen de s'y prendre. On défonce le seigneur et son putain de crâne, et puis on prend sa clé. Ce n'est pas une solution. Ça ne va pas me diminuer sa haine. Bien au contraire. Vous seriez prêt à nous accompagner lorsqu'on ira dans la tour d'observation ? Hein ? Moi ? Pourquoi ? Je veux que vous soyez là pour lui parler une fois qu'on l'aura trouvé. On la trouvera. Je lui dirai tout ce que vous voudrez une fois que vous aurez sorti de la tour. Vous ne pensez pas qu'en entendant la voix de quelqu'un qu'elle connaît au moment de la libération tant attendue, ça réussira plus que tout à la tirer hors des ténèbres dont elle s'est abîmée ? Raison de plus pour que ce ne soit pas moi. Et pourquoi cela ? Comme je l'ai dit, j'ai jamais été proche d'elle. Je gardais mes distances. Je ne peux rien faire, pas d'après les raisons que tu m'as données pour expliquer sa haine. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Tu sais quoi en fait ? Même si je doute que ça puisse réussir à dissiper sa rancune. Il y a bien quelques jours que j'étais censé lui donner, mais que j'en ai jamais eu l'occasion. Ah ? Rien de spécial, juste un petit collier de pacotille. Mais si tu as l'occasion, tu pourras lui donner. Si quelqu'un doit lui donner, c'est bien vous. Il ne vient pas de moi. C'est l'esclave qui voulait lui offrir. Il le lui a acheté pour son anniversaire, mais c'était le jour où il y a eu le raid au bordel. Voilà, tu sais tout. Fais en sorte qu'elle l'ait, tu veux bien ? D'accord, je le ferai. Merci. Bon, maintenant que ça c'est fait, je dois me tirer d'ici. Je te dis... Ah, mais t'es là ! Non, mais du coup c'est Nelly. Tu n'étais pas dans ta chambre ? Je me suis inquiété ! Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux ? Vous allez parler au Seigneur ce soir, c'est bien cela ? Alors, il y a des chances pour que tu puisses libérer la sainte. Il n'y a pas moyen que je rate ça. C'est pour ça que vous êtes venu. Pour ça et pour dire adieu. Je veux qu'ils payent pour leur crime aussitôt qu'ils ont relâché la fille. Tu es d'accord avec ça, Nelly ? Si Mel me dit que c'est ce qu'il veut, je ne l'empêcherai pas. Mais il a quand même été menacé! Alors, si c'est possible, je ne pense pas qu'il doit se dépêcher d'être puni! Je ne veux pas perdre mon frère! Il y a sûrement d'autres moyens pour se racheter! Cela me semble raisonnable. Je me sens tellement coupable pour ce qu'il a enduré. Ce n'est pas de ma faute! Ce qu'il a fait! Enfin bref, je suis vraiment vraiment nerveuse pour ce soir, mais je suis sûr que tout se passera bien! Tu vas réussir, hein, mon cher Michel ? Je ferai de mon mieux. Oh, voyons ! Faut que tu aies l'air sûr de toi ! Prends soin de moi et pour moi aussi, d'accord ? Il est très fragile, alors ménage-le ! Fais comme s'il était une grande et une vieille boîte, pleine de porcelaine ! Est-il vraiment aussi fragile ? Quant à moi, s'il vous paraît sur le point de faire quelque chose qu'il ne devrait pas... Vous voudriez bien l'empêcher pour moi. J'aimerais pouvoir être là pour lui faire moi-même, mais bon. Il persiste à dire qu'il ne veut pas que sur place que les gens qui sont directement impliqués. Et j'ai l'intention de respecter sa décision. Je ne comptais pas laisser le sang couler de toute manière.
Voilà qui est bien. Merci. Le Seigneur et lui ont peut-être causé à cette fille de grandes souffrances, mais je veux quand même que personne ne soit blessé. Certes, elle le mériterait. Et j'aurais envie de dire, il n'y a qu'à laisser faire. Allons, Maria, ne dis pas ça. C'est toi qui es bizarre. Non, c'est toi qui es bizarre, mademoiselle parfaite. Vas-y, continue à dire partout que tout le monde devrait être tiré d'affaire, quel que soit le crime, et ce putain de monde va finir par s'écrouler autour de toi. Mais il a fait tout ça pour moi. Et le Seigneur, il n'y a vu que son profil. Il n'y a vu que son profit. Il aura beau dire que ça bénéficie à la ville, ça lui revient quand même dans la poche. Le Seigneur n'est pas un méchant homme pourtant. Ah ouais, je connais la chanson. Personne n'est méchant à tes yeux, je sais. Tout le monde est le beau, tout le monde est gentil. Allons. Peut-on s'il vous plaît rester cordial? Enfin, pourrait-on pas rester cordial? Ah ouais, désolé. Mauvaise habitude, je sais. Je dis plein de conneries, mais j'en ne le pense pas la moitié. Mais je trouve quand même qu'il est bien meilleur que l'ancien seigneur. Ah. Attendez un instant. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il est meilleur que l'ancien... Quand est-ce que le seigneur actuel a pris sa place? Il y a 4 ans. Quoi? Morgana avait 9 ans quand elle était au manoir du seigneur. Il y a 7 ans. Maria, vous êtes déjà allée au manoir du seigneur il y a 7 ans, non? Non, on m'a jamais embauché. Mais alors quand? Elle ne connaissait pas le seigneur d'il y a 7 ans. Ah, tout est clair maintenant. Comment j'ai pu être aussi aveugle et ne pas voir ces possibilités plus tôt? Je sais quel genre c'est maintenant, quel genre d'homme c'est. Et je connais les gens qu'il y avait autour de lui. Maria, est-ce que l'esclave est vraiment mort? Hein? Vous feriez bien d'avoir une sacrée bonne raison pour vous justifier. Ah. Je suis venu parce que vous m'avez dit que vous avez quelque chose important à me dire. Et bonjour Jacopo, ça va? À Jean-François. Et donc attends. Étrange. Je suis venu parce que vous m'avez dit que vous avez quelque chose d'important à me dire. Maintenant, vous voulez bien m'expliquer qui est ce type aux cheveux blancs et qu'est-ce qu'il fait là, bordel? Vous avez voulu me dire qu'on aurait de la compagnie. C'est moi qui ai demandé à arranger ce rendez-vous avec vous. Et t'es qui, toi, putain? C'est un ange. Ou un prophète. Quoi? Vous avez tous les deux fini par craquer par la seule occasion, c'est ça? Je vous laisse décider par vous-même de ce que vous pensez que je, de qui je... Enfin, ce que vous pensez... Non. Je vous laisse décider par vous-même ce que vous pensez que je suis. Mais je préfère vous prévenir. Je sais tout. Je sais que vous avez emprisonné une fille dans la tour d'observation. Et je sais que vous lui prenez son sang. Vous l'appelez Remède et vous le refilez via l'église. Lequel entre vous a cafardé? Personne ne lui a dit. Il savait, c'est tout. Il sait tout, y compris mes désirs les plus profonds, et ce qui va m'arriver dans la prochaine vie. Il scrute probablement votre âme en ce moment où je parle. Vous avez complètement la peau dans la tête à ce que je vois. Bon. Savoir comment tu as réussi à se procurer ces informations n'a pas d'importance. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce que tu espères y gagner. De l'argent? Ma chute? Quoi? La liberté de Morgana. Je veux que vous donniez ma clé, vous me donniez votre clé. Ensuite, je veux que vous me racontiez votre histoire. Je viens du futur, d'un monde situé après la mort de Morgana. Son âme brûle d'une haine tenace entre vous, envers vous trois. Elle a placé une malédiction de souffrance éternelle sur vos âmes. Est-ce que tout le monde à cette table est devenu... Non. Est-ce que tout le monde à cette table est devenu fou? Vous pensez sérieusement ce que je vais croire à vos absurdités? Ne m'interrompez pas. Mon objectif n'est pas tant de libérer l'enveloppe physique de Morgana de la tour, mais de sauver une âme en quête d'une éternité de haine.
Cependant, je ne peux y arriver tout seul. Parce que je ne suis pas là à cette époque. Je n'ai aucune interaction directe avec elle, ou quoi, ou avec qui que ce soit, jusqu'à tout récemment. Pour pouvoir la faire changer d'avis, je dois rassembler la vérité sur les gens qui sont de cette époque. Et je soupçonne que vous êtes en position de la dernière pièce du puzzle. La plus grande pièce. Que vous avez une connexion avec Morgana plus forte que tous les autres ici. Non. J'en suis plus que certain à présent. Votre point de vue est crucial pour accomplir mon objectif. Racontez-moi votre histoire, s'il vous plaît. Comment vous en êtes venu à capturer et à emprisonner Morgana? Ce que vous avez pensé et ressenti tout du long. Votre vérité l'atteindra, je le sais. Elle sera le moment charnière de toute cette histoire. Sa malédiction ne sera plus. Et vous pourrez tous retourner au chemin que vous êtes censé prendre. Tout le monde sera sauvé. Jetez-moi ce taré dehors. Je refuse. Moi aussi. Sale chien, vous me servez à rien. Je vais appeler les gardes alors. Tu me prends pour qui au juste? Je suis le seigneur de ces terres. En temps normal, je ne dignerais même pas t'adresser la parole, vil paysan. Allez hors de ma vue. Ou je le prendrai comme un signe de régression et tu te retrouveras sans tête. Dans cette pièce là maintenant, vous n'êtes pas un seigneur, vous êtes un homme seul. Tant que vous n'aurez pas tendu votre clé, vous ne nous laisserons pas partir. Hors de ma vue. Ça, hors de ma vue. Hors de ma vue. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucun garde à rappeler. Vous êtes tout seul dans le domaine. Votre obsession à rester toujours cachée ne vous a facilité les choses. Reconnaissez votre défaite, sire. Nous avons déjà accepté de libérer la sorcière. Bande de couards. Quelle ironie. Non, quelle ironie venant de vous. Je ne pensais pas que vous retourneriez votre veste si facilement. La nonne et ta petite sœur sont dans le coup aussi, j'imagine. Nous étions simplement sous vos ordres. Nous n'avons jamais juré loyauté. La loyauté fondée sur ce qu'il y en a à gagner ou à perdre est bien plus solide que les sentiments par essence incertains et fluctuants. Mais il semblerait que cet homme au souffle blanc ait ébranlé cette fondation. Depuis combien de temps qu'on bloque-tu avec ces chiens? Je suis arrivé dans cette époque il y a 2 jours. Quoi? 2 jours? En 2 jours seulement, t'as réussi à mener à la baguette ces misérables vers de terre? Je ne les mène pas à la baguette. J'ai simplement parlé avec eux, et ils m'ont écouté. Tu es sacrément dérangé. C'est impossible. Tu n'as pas pu les convaincre en 2 jours à peine, n'est-ce pas? Ce n'est pas un homme banal. Comme nous l'avons dit, il savait tout. Quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'il regardait directement dans mon âme. Oui, il est vraiment très spécial. On aurait dit qu'il me connaissait depuis tout petit, alors même qu'il venait d'arriver de nulle part 2 jours auparavant. Au début, je ne croyais rien en ce qu'il disait. Mais il savait des choses que personne ne connaît. Mon vœu le plus secret. Quelque chose que je n'aurais jamais dit à personne. Je ne sais pas par quel genre de tour tu t'amuses à jouer, mais maintenant je sais pourquoi tu ne t'es jamais vu dans le coin. Si t'avais été là depuis plus longtemps, à te cacher dans les environs, à fourrer le nez là où ça te concerne pas, je t'aurais remarqué tôt ou tard. Je suis impressionné. En seulement 2 jours, t'as réussi à convaincre ces deux-là de me trahir et de me tendre un piège. C'est moi en effet qui suis à la tête de cette opération. Donc si c'est la sorcière que tu recherches, je suis la cible idéale, oui. Et les deux corneaux là-bas ont sûrement pas mal de rage contenue. Alors je suppose que tu vas m'attacher, puis me torturer, jusqu'à ce que je te dise que je dois savoir, non? Ce n'est pas une mauvaise idée. À quand dites-vous? Un seul mot et je ligote. Ah, attendez, on s'était mis d'accord. On avait dit que on n'en viendrait pas aux mains. Je n'ai aucun intérêt à résoudre ce problème par la violence. Nous sommes ici pour découvrir la vérité. Nul besoin d'échanger des coups, seulement des mots. En plus, si le but était de le tabasser, on aurait pu le faire dès qu'il aurait passé la porte. On a déjà discuté.
on ne fera que parler. Personne ne doit entamer le combat. Physiquement ou verbalement. Très juste. Eh bien, on dirait que je n'ai aucune issue. Donc vous m'avez eu. Je me rends. Prenez ma clé. Allez ouvrir les portes de la tour. Quoi ? C'est plus facile que prévu. Ce n'est pas votre clé qui m'importe pour le moment. Votre point de vue, c'est ça que je veux. Pourquoi avez-vous fait en sorte que le verrou nécessite 3 clés ? Une personne n'est plus que suffisante. Alors pourquoi le diviser en 3 ? En quoi ça te concerne, chien ? Était-ce parce que c'était un fardeau trop lourd à porter pour toi ? Porter seul ? En réalité, vous ne vouliez pas emprisonner Morgana, n'est-ce pas ? Quelque chose, à un moment donné, a mal tourné. Vous êtes retourné dos au mur et vous ne pouvez plus vous échapper. J'en ai assez de t'écouter parler. J'ai raison ou j'ai tort, sire ? Ou devrais-je dire, Jacopo ? Jacopo ? Il ne s'appelle pas... Jean-François Barnier ? Quel gamin insolent ! C'est Seigneur Barnier ! J'ai l'impression que t'en mets les pinceaux. Je suis le fils de la maison des Barniers, ce qui signifie que je suis son noble. Royal même. Non, c'est faux. Je ne sais pas comment vous en êtes venu à vous donner le nom de Barnier, mais il n'y a pas une goutte de sang royal qui coule dans vos veines. Ah, donc du coup, Jacopo nous a menti aussi du coup. Donc en fait, c'est bel et bien Jacopo, en fait... Ah, j'ai compris. J'ai compris. En fait, là, du coup, le seigneur est en fait l'esclave. Un esclave devenu seigneur. C'est quand même assez bizarre cet esprit-là, mais... On sait jamais, donc ça va être intéressant de voir ce qui s'est passé du coup. La révolte des esclaves au manoir du seigneur il y a 7 ans. Vous y étiez, n'est-ce pas ? Durant la révolte, vous avez aidé Morgana à s'enfuir. Eh oui, vous lui avez sauvé la vie à l'époque. C'était vous. Vous êtes l'esclave il y a 7 ans. L'esclave ? Bordel, t'as perdu l'esprit ? Moi, un esclave ? Comme si c'était possible, je vous jure, qu'un esclave puisse devenir roi. Et pourtant, vous l'avez fait. L'esclave vous est devenu le seigneur. Assez ! Je ne sais pas qui t'a rempli de toute cette blanche... ta tête toute blanche, toutes ces ornettes, mais j'en ai assez entendu. Un mot de plus et je te strangle moi-même. Ose continuer à calomnier mon nom ? Maria m'a dit que l'esclave de cette époque était mort. Mais elle ne parlait pas au pied de la lettre. Elle voulait dire qu'il n'était plus ce qu'il était. Maria, t'allais lui parler lui aussi, à elle aussi. Parce qu'elle avait peur que si Morgana venait à l'apprendre, ça ne ferait que la plonger encore plus dans le désespoir. L'homme qui l'avait un jour sauvé était maintenant responsable de son emprisonnement. Tu as les oreilles bouchées, chien ! Je te dis que j'en avais assez ! J'ai besoin d'entendre votre point de vue. Je n'ai pas encore toute l'histoire, j'en suis certain. Je refuse de croire que vous ayez agi uniquement dans vos propres intérêts. Uniquement pour la faire souffrir. Si c'est cette putain de clé que tu veux tant, alors prends-la. Va libérer la sorcière. J'en ai rien à foutre. Mais si tu dis un mot de plus, je t'arracherai la langue avec les dents. Encore une fois, ce n'est pas la clé qui m'intéresse pour le moment. Je veux votre histoire. T'es sûr ou t'es juste idiot ? Votre point de vue est crucial pour sauver l'âme de Morgana. Assez ! Quand vous étiez esclave, vous avez aidé Morgana à échapper du seigneur. Silence ! Et vous avez passé les 3 années qui ont suivi avec elle, en fait. Encore un seul mot, putain ! Je le jure devant Dieu ! Alors comment en êtes-vous arrivé là ? Comment le garçon d'il y a 7 ans, qui était son sauveur, est-il devenu son geôlier et son vampire ? Il ne s'agit pas d'excuser vos actes, non. Mais s'il vous plaît, j'ai besoin que vous me racontiez comment vous en êtes arrivé là. Assez ! Michel ! C'est alors que je vois qu'il a une dague en main pointée vers moi. Par réflexe, j'essaie de me dégager de sa trajectoire avec ma main dominante, ce qui envoie une décharge de douleur atroce le long de mon bras droit. Ah ! Faites arracher la tête ! Le seigneur lève son bras au-dessus de sa tête
et le collier tombe de ma poche dans un cliquetis mécanique en percutant le plancher. En le voyant, ses yeux s'agrandissent l'espace d'un instant. Bien sûr, j'ai tout autant bouche bée que lui. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi? Comment? Comment se fait-il que je vois un nuage ténébreux d'un noir encre bien trop familier envers la pièce? Mais il n'y a personne pour répondre à ma question. Et je n'ai pas non plus le temps pour y consacrer. Je dois prendre une décision maintenant. Le seigneur, la dague levée, s'approche rapidement. Sur le côté, le nuage de ténèbres s'étend. Je plonge dans les ténèbres. Je pousse le seigneur sur le côté. Et je sens bien qu'il y a une fin derrière. Et une vraie fin derrière. Alors la question... Plonger dans les ténèbres, ça pourrait être lié à Gisèle. Mais est-ce que ça vaudrait le coup? Et de l'autre côté, on a pousse le seigneur sur le côté. Qui est protégé des seigneurs. J'ai envie de dire, ce serait intéressant de protéger le seigneur, mais je pense que c'est ça la bonne réponse. Donc, je vais plonger dans les ténèbres, voir ce que ça me donne. Je plonge la main dans les ténèbres qui émanent du collier. Et aussitôt... Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce que c'est ce truc noir? Une noirceur nous envahit tous. Non, arrêtez! Mais qu'est-ce que c'est? Non, ne faites pas voir ça! Avec la distance, j'entends plus ses cris. Et mon corps comme mon esprit sont engloutis entièrement. Il se passe la même chose quand Gisèle et moi ouvrions les portes. J'ai déjà contemplé ces ténèbres encore et encore dans ce manoir maudit, tout encore et toujours. Cette maison qui existe en dehors de toute réalité. Au loin, très loin, je discerne une douce lumière, comme un trou qui déchire l'obscurité. De l'herbe verte et des fleurs colorées caressées par le vent. Je ne comprends pas. Les ténèbres n'ont jamais fait partie du passé. D'après moi, c'était un phénomène qui concernait uniquement le monde des morts. Alors qu'est-ce que ça faisait là? Cependant, toutes ces questions sont rapidement avalées, elles aussi par le néant. Bientôt mon corps se désintègre, ne laissant plus que ma conscience pour expérimenter la vue, l'ouïe et les émotions d'un passé qui ne m'appartient pas. Je deviens un spectateur, comme cela m'est déjà arrivé de nombreuses fois auparavant. Me voici en train de regarder une paire d'yeux rouge rubis, grand ouvert sous le choc. Je me souviens de l'avoir rabaissé, insulté, mais je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Et je ne me souviens pas non plus de comment il a réagi. Tout ce que je sais, c'est qu'une vague d'obscurité est venue de nulle part, m'a laminé et m'a emporté. Je suis impuissant, sans défense, sans espoir. Mon jeune esprit a été aspiré comme dans un tourbillon. Jeune? Mon jeune esprit? Oh mon Dieu, nom de Dieu! C'est pas vrai. Soit une plaisanterie. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu, pourquoi? Suis-je obligé de revoir cette époque de ma vie? De retrouver le misérable petit romantique de merde que j'étais? Pourquoi est-ce que je redeviens le garçon que j'ai tellement voulu oublier? C'est absurde. D'où venait cette fumée noire? Et pourquoi je ne peux pas m'en sortir? Si j'ai la faute de ce type aux cheveux blancs, alors ce n'est pas un ange ni un prophète. C'est le putain de diable en personne. Mais toutes mes questions, ma confusion, ma frustration, tout ce qui compose mon présent, sont supplantés par ces ténèbres qui m'emportent dans le néant. Ok. Je ne veux pas tourner autour du pot. Le monde est tout petit. Il est incroyablement vaste, certes, mais au final, on ne voit qu'une fraction minuscule. Et c'est encore plus le cas pour nous, les pauvres qui ont rarement la chance de le voir tout court. Et ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, eh bien, ils ne se rendent pas du tout compte à quel point notre monde est vraiment petit. Par contre, la musique est extrêmement bizarre, mais bon, c'est pas grave. C'est une musique un peu glitchée, je sais pas. Je n'ai jamais rêvé de voir le monde au-delà de ce que je connaissais. C'est plutôt que je le convoitais, il s'y mêlait toujours du dépit.
Je voulais me hisser jusqu'au sommet de la montagne et faire tomber tous les connards qui m'avaient jamais vu à quoi ça ressemblait en bas. Je regardais juste un truc rapidement. Ok, je regardais juste un truc rapidement, rien de grave. Si j'arrivais à aller aussi haut, je pourrais faire tout ce que je voudrais. J'aurais une liberté totale. Si vous pouvez penser à un rêve de gosse, eh bien, c'est que vous avez exactement raison. C'est exactement ça. Ah, te voilà. Tu passes tout ton temps en cimetière, hein, ces jours. Quelqu'un va croire que tu travailles ici, ou que t'es là pour piller les tombes. Alors, attends. Je veux bien qu'on me prenne pour une employée, mais je suis enfoncé à l'idée que je ressemble à une voleuse. Je prie pour les âmes qui n'ont personne pour les accompagner. La fille du nom de Morgana se retourna vers moi. Je la connaissais depuis un certain temps, mais je ne croisais quasiment plus jamais son regard. Son visage était presque totalement caché sous une capuche sombre, qui ne révélait que le bout de son nez ou ses lèvres, parfois. Donc en fait, je crois que je choisis le bon choix malgré tout. C'est-à-dire que moi je voulais choisir le mauvais choix, en fait je crois que je choisis le bon choix. Bon bah ok, très bien. Franchement, je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez bien de faire? Ce sont des âmes qui n'ont personne d'autre pour prier que pour prier pour elles. Au mieux, elles bénéficieront du service minimum offert par un prêtre une fois ou deux. Il en va de notre responsabilité de tendre la main aux malades et aux pauvres et de prier pour les âmes abandonnées. Ce que je comprends pas, c'est à quoi ça sert de prier pour les hommes morts en fait? Ce sont que les talismans, non? J'espère que tu profiteras de ton éternité en enfer, blasphémateur. Hé hey, j'ai rien fait! Je plaisantais, bien entendu. Tu vas fort, question humain noir. Morgana haussa les épaules et me tourna le dos. Elle ne restait jamais en face de quelqu'un très longtemps, et elle avait une très bonne raison pour ça. Ce n'était pas parce qu'elle m'aimait pas. Enfin, je crois. Il y a 3 ans, il s'était passé quelque chose et comme résultat, elle avait eu de larges morceaux de chair qui s'étaient mis à tomber de son visage. Il paraît qu'avant, son visage n'avait rien, mais moi, j'ai toujours connu comme ça. Le reste de son corps était également recouvert de blessures, mais une pommade avait réduit de manière significative ses cicatrices. Son visage, cependant, ne montrait aucun signe de rétablissement. Une bonne amie à moi, une prostituée, m'avait dit que justement, elle pensait que c'était peut-être psychologique. Mais malgré tout, je continuais à appliquer la pommade sur le visage de Morgana. Allez, te détourne pas de moi. Je sais que tu m'as entendu. J'ai apporté l'engant, laisse-moi t'en mettre. C'est une perte de temps. T'en sais rien. Tes bras vont beaucoup mieux qu'avant. Tu verras, ton visage va guérir en un rien de temps. Cette pommade n'est pas gratuite. Tu gaspilles ton argent. C'est mon argent. Je l'utilise comme je veux. Alors tais-toi et laisse-moi faire. Tu es vraiment quelqu'un de détestable, tu sais. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je prenne un appui en force, c'est bien cela? Sur le fond de cimetière désolé, un jeune homme appliquait un baume sur la chair à vif d'une jeune fille. Ça va être la vision la moins romantique du monde. J'aurais, à tout le moins, préféré un endroit plus plaisant. Tandis que ses réflexions occupaient mon esprit, je laissais échapper un rire jaune et chantis aussitôt son regard réprobateur posé sur moi. Morgana pouvait être un peu froide, mais honnêtement, je m'en moquais. De son point de vue, c'était même une interaction très sociable en fait. Au tout début de notre rencontre, elle se comportait comme une adulte, mais maintenant, elle commençait à montrer les signes de la fillette de 12 ans qui était cachée en elle. 3 ans auparavant, lorsque j'avais rencontré Morgana, elle avait été victime de abus innommables de la part du Seigneur. Je ne savais pas pourquoi il lui avait affiché tout ça, et je n'osais pas lui demander, parce que j'étais conscient que ça risquait de rouvrir des vieilles plaies. Tout ce que je savais, c'est que le Seigneur avait perdu toute parcelle d'humanité au point de brutaliser et de torturer une enfant de 9 ans. À l'époque, la seule chose qui sortait de sa bouche était la parole de Dieu. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait, était ostensiblement destiné à aider les autres. Mais moi, j'avais plus l'impression qu'elle le faisait par sens du devoir, et pas parce qu'elle s'en souciait sincèrement. C'est tout à son honneur, mais au final, ça sonnait creux. Je préférais largement la Morgana que j'avais sous les yeux. Même si, elle pouvait se montrer blasée. Qu'est-ce que tu espères t'obtenir en t'occupant mon visage? Je ne veux rien obtenir. Je veux que tu guérisses. Et moi qui pensais que tu essaierais de me faire travailler au bordel? J'aurais te répété combien de fois?
Je ne veux pas te faire de toi une prostituée. Quelle autre raison aurais-tu donc pour vouloir que mon visage aille mieux? C'est parce que je veux le voir. C'est pas suffisant. Pour que ce soit clair, je ne suis pas en train de te faire du charme, d'accord? Cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Elle garda le silence, restant assise, immobile, tandis que je lui massais le visage avec la pommade. La peau sous mes doigts était rude et désagréable au toucher, et pour être honnête, ça me retournait l'estomac. Il était difficile d'imaginer que son visage pouvait guérir en un jour. Un jour plutôt. Ce que j'avais dit sur le fait d'avoir envie de voir son visage était la vérité. Mais ce que je voulais parler au-dessus de tout, c'était qu'elle puisse vivre une vie relativement normale. J'espère que tu t'es préparé à être déçu si jamais je guéris. C'est ce qui rend cette possibilité encore plus amusante. Tu as autant de tact qu'un ver de terre. Pas de tact et mauvais goût. J'ai tout gagné. Il est très surprenant que personne n'était encore étranglé dans ton sommeil. Bien sûr, le moment aurait été très content de voir qu'elle était jolie une fois son visage guéri. Mais avant tout, ce serait la garantie que sa vie serait plus facile que maintenant, quelle que soit son apparence. Au fond, c'était tout ce qui comptait. Je ne pouvais imaginer comme ce serait dur de voir sa vie basculer complètement à l'âge de 9 ans. Dans les bas-fonds, on avait quasiment tout notre lot de malheurs, mais aucun ne pouvait se comparer même à ce que Morgana avait subi. Elle n'avait pas de parents. Quand j'interrogeais sur sa mère, elle se montrait réticente, donc j'en avais conclu qu'elle avait été vendue. Mais quand je lui posais des questions sur son père, elle se contentait de pointer le ciel du doigt, ce que je pris pour un signe qu'il était mort. Une jeune fille, sans famille, envoyée toute seule dans un pays étranger, tout ça pour atterrir au bout du compte sous la coupe d'un maître cruel. Le mot malheur était faible. Cela dit, ce n'était pas seulement par pitié que j'accordais à Morgana autant d'attention. Mais l'autre raison, eh bien, elle serait probablement repartie en courant si je lui avais dit. Bordel, ça me rendait dingue, je voulais me frapper la tête contre un mur. Je serai toujours ton ami, même si tu t'avères être la fille la plus fidèle de la ville. Tu devrais m'en être reconnaissante. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore réussi à faire fuir tous tes proches? Je me comporte plutôt bien avec les gens. Je fais de mon mieux pour m'intégrer. Alors pourquoi est-ce que tu fais l'idiot avec moi? Je fais de mon mieux pour m'intégrer. Donc d'après toi, c'est ma faute? Une épine au dos, ça fait du mal à personne. Ça rend les gens plus intéressants. Toi surtout. Bon, ça devrait suffire. Ça pique? Pas vraiment, non. Très bien. Ah, j'ai failli oublier. Dès que t'es terminé ici, va vite rejoindre Maria. À moins que tu préfères que je t'y traîne. Pourquoi? Sérieusement? Mais parce que c'est ton anniversaire, enfin. Et? À ton avis, espèce d'andouille. Elle veut le célébrer. Reviens vite, d'accord? Je passerai faire un tour, moi aussi. D'accord? D'accord. Elle hocha la tête d'un air penaud, ce qui était franchement très mignon, mais bien entendu, je ne pouvais pas lui dire ça. Je me contentais donc de hausser les épaules en faisant semblant d'être exaspéré et de tourner les talons pour m'en aller. Une fois, j'avais failli lui proposer de me raccompagner au bordel, mais Morgana ne semblait jamais vraiment contente à l'idée de se balader avec moi. Peut-être parce qu'elle avait peur des hommes, après tout ce qui s'était passé au manoir du Seigneur, ou peut-être parce qu'elle ne voulait pas simplement pas qu'on me voie en sa compagnie, à cause de son physique. Au fait, tu sais... Je croyais que tu devais partir. Un jour, je t'emmènerai voir le monde. Je ne compterais pas trop dessus si j'étais toi. Tu peux compter dessus, putain! Dis-je en ricanant doucement, avant de partir. J'avais fermement l'intention de tenir cette promesse. Et j'avais des raisons de croire que j'y arriverais. Il y a 3 ans, il y avait eu une révolte d'esclaves au manoir du Seigneur. Enfin non, c'est pas tout à fait exact. Parce que, même si j'en étais en partie responsable en les incitant à se révolter, j'étais pas moi-même esclave. Le Seigneur de l'Écopoque était considéré, on le disait en chuchotant, comme la réincarnation d'un grand tyran des temps anciens. Les gens grondaient leur mécontentement car il semblait traiter le pays comme son propre terrain de jeu privé, en exploitant tout et tout le monde pour son propre amusement. Quand tant de tensions et de ressentiments s'accumulent dans un petit espace étroit, il suffit d'une petite goutte pour faire tout déborder. Et c'était notre plan. Avec d'autres sujets satisfaits, on s'était regroupés pour faire éclater cette bulle et pour faire voir au Seigneur notre façon de penser.
Avec l'aide d'un marchand d'esclaves, j'avais réussi à infiltrer le manoir. Je savais que les esclaves étaient maltraités, mais c'en était en les voyant par moi-même que je m'étais dit qu'ils auraient, pour la plupart, été heureux s'ils avaient été des chiens ou des chats possédés par quelqu'un qui avait vraiment un cœur. C'était révoltant, une injustice flagrante. De manière générale, il y avait deux types de personnes qui voient la justice dans ce monde. Dans la première catégorie, il y a ceux qui ont tout, qui se sont assis nonchalamment sur le sommet du monde et contemplent les moins fortunés avec pitié. Dans la seconde, il y a ceux qui n'ont rien et qui souhaitent renverser l'ordre établi, tout le système qui les maintient dans leur misère. Ça ne devrait pas vous apprendre que je faisais partie de cette dernière catégorie. Une fois à l'intérieur, j'avais fait le tour du manoir pour prévenir tous les esclaves de notre plan. La majorité d'entre eux avait depuis longtemps perdu toute volonté de se battre, mais en les rassurant et en leur disant qu'à l'extérieur, il y avait des gens pour les aider, j'avais vu des lueurs d'espoir s'allumer dans leurs regards. Découvrir qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils n'étaient plus impuissants, eut un effet incroyable sur leur morale. Et quand les esclaves furent convaincus, la révolte éclata. Elle finit par être bien plus grande que je l'avais imaginé, et beaucoup périrent, chemin faisant. Mais la plupart réussirent à s'échapper. Naturellement, les esclaves ne pouvaient pas rester dans la ville. Je les avais donc dirigés vers des personnes qui les attendaient. Qui les attendaient pour les emmener dans les villes voisines ou un pays voisin. Je n'avais ni l'argent ni le pouvoir de leur garantir une bonne vie à l'extérieur. Mais ça n'a pas d'importance à leurs yeux. Ils étaient tous certains, quel que soit l'endroit, que leur vie serait meilleure que s'ils étaient restés. Et je priais pour que ce soit le cas. C'est pendant cette période que je sauve Morgane. Je l'aurais bien envoyé rejoindre d'autres esclaves, mais elle était dans un état si alarmant que lorsque je la trouvais, elle pouvait à peine bouger toute seule. Elle avait été vidée de toute volonté. Je l'amenais donc au bordel où une de mes amies travaillait et je lui demandais de bien vouloir accueillir Morgana. Mes compagnons et moi, nous délections du succès de la révolte. Notre réussite n'était pas suffisante pour avoir de vraies conséquences politiques, mais on avait l'impression d'être des héros. Rendus ivres par la victoire, nous commencions à discuter de projets de plus en grande ampleur. Nous pensions à démarrer une vraie révolution. Mais une fois l'allégresse retombée, nous comprîmes qu'il n'y avait pas grand chose qu'on pouvait faire. Même en supposant qu'on réussisse à rassembler un soulèvement suffisant pour assassiner le seigneur, nous n'étions que des paysans. Non seulement nous ne connaissions rien à l'heure de gouverner, mais en plus les autres cons ne reconnaîtraient jamais notre autorité. On ne ferait que prendre le contrôle jusqu'à ce que le premier héritier en ligne fasse surface et qu'on en serait fini. Alors, on avait fini par se tourner les pouces, sans savoir comment remédier à cette situation. Un jour, environ un mois avant l'anniversaire de Morgana, une femme d'âge moyen était venue à ma rencontre. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais elle avait les cheveux ondulés qui me rappelaient beaucoup les miens. En me regardant droit dans les yeux, la femme avait dit « À l'époque, j'ai servi comme femme de chambre au domaine des Barniers. Ils ont fait de leur mieux pour garder le secret, mais j'ai eu un enfant avec le précédent seigneur. Et cet enfant, c'est toi. » Cette révélation m'avait pris totalement au dépourvu. Selon elle, j'étais de sang royal. Et si nous arrivions à convaincre le seigneur actuel, j'intégrerais la noblesse. De plus, sous prétexte qu'elle était ma mère présumée, elle pourrait retourner vivre au manoir. La femme me pousse à agir, à rencontrer le seigneur, à révéler mon lignage est à réclamer ma place légitime au sein de la maison du Barnier. Je ne serais plus qu'un pauvre paysan vivant dans les bas-fonds. J'aurais une vie confortable. Bien évidemment, je ne comptais pas accéder sur le champ. Son histoire était tellement douteuse qu'il me fallait du temps pour savoir quoi en penser. Mais il se trouvait qu'elle disait la vérité. Notre révolution pourrait passer du rêve à la réalité. Nous ne serons pas condamnés à provoquer que des mouvements éphémères. Je serai en mesure d'en m'emparer du pouvoir de façon légitime et de changer les choses. Je demandai alors à la femme. Attendez. What? Waouh. Oh là, attends. Attends. What? Oh, attendez. Il y a un problème, attendez. Pourquoi ça... Relire. Ah là, attendez. À changer les choses. Je demandais donc à la femme de me laisser un peu de temps pour y réfléchir. Alors, tu t'étais décidé? Tu sais ce que tu as donné? Ce fut les premiers mots que j'entendis en entrant par la porte, de l'arrière du bordel.
Maria, une prostituée aux cheveux blonds et courts, et une bonne amie à moi, me gratifiait d'un sourire diabolique. J'ai acheté un collier, comme tu me l'as conseillé. Les filles aiment ce genre de trucs, non? La plupart, oui. Moi, je préfère les couteaux et les objets pointus. Mais je doute que ça l'intéresse. Parfois, je me demande si c'est vraiment une fille. Attends, quoi? Non. J'ai acheté un collier comme tu l'as demandé. C'est plutôt ce qu'on craint, du coup, c'était la voix de Jacopo. Parfois, elle me demande vraiment si c'était une fille. Tout le monde pouvait voir que c'était Maria, que Maria et moi étaient proches, mais notre relation était simplement platonique. Forcément, vu son travail, il était inévitable que les gens croient le contraire. Et honnêtement, ça m'énervait à chaque fois que je reçois quelqu'un laisser entendre qu'on était peut-être plus que des simples amis. Les gens ont des fâcheuses tendances à ne pas voir plus loin que le bout de son nez, que le bout de leur nez, et à supposer que parce que un homme et une fille sont beaux amis, ils doivent être en couple. Qu'elle soit une fille, je m'en moquais. Je la voyais seulement comme une amie. Et pour autant que je puisse en juger, c'est aussi ce qu'elle pensait de moi. Maya et moi, nous étions rencontrés dans notre enfance. Déjà si petite, elle se prostituait. Et moi, je faisais des poches. On a été sacrément chanceux tous les deux d'avoir survécu jusqu'à l'âge adulte sans que personne puisse nous soutenir. Si ça se trouve, la seule maison qui nous a donné la volonté de nous en sortir, c'est parce que on avait chacun l'autre pour se plaindre lorsque les choses se tournaient mal. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu vas enfin lui dire ce que tu ressens. Pardon? Je veux dire quoi? Fais pas ton timide. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et il serait temps que tu lui dises. Sois un homme. Je pense que tu as plus de chances que tu le crois. Je veux que je te rappelle quel âge elle a. 12 ans. Dès aujourd'hui. C'est presque une adulte. Je tapinais déjà à son âge. Tu oses la comparer à toi? Plus tu te retiens de dire quelque chose, plus ce sera difficile à avouer. Allez, je te dis merde quoi. On va faire la fête à l'arrière, comme ça tu seras pas dérangé par les clients. Très bien. Je ruminais ce que m'avait dit Maria, tout en la regardant disparaître dans un des couloirs du bordel. 12 ans d'aujourd'hui, c'est presque une adulte. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va dire Moyen-Âge, quoi. Moyen-Âge. Donc bon. Contexte fait que. Mais c'est pas normal non plus. C'est pas normal, par contre. Je ruminais tout ce que m'a dit Maria en la regardant disparaître dans un des couloirs du bordel. Elle n'avait pas tort. Elle avait tout compris. J'avais en effet des sentiments tout particuliers pour Morgana. Les femmes semblent avoir le don, étrange mais aussi terrifiant, de lire dans l'esprit des autres. Putain, Jacobo. Je suis d'accord. De lire l'esprit des autres, et Maria en était un exemple, un parfait exemple. Je n'avais jamais, ne serait-ce que laissé entendre que je voyais autre chose en Morgana, mais Maria, je ne sais comment, s'en était rendu compte presque immédiatement. Heureusement, ça n'avait pas l'air de la déranger plus que ça. Mais je savais que si quelqu'un venait à le découvrir, je serais bon pour être regardé de travers. Je veux dire que par là, que Morgana avait 12 ans et que j'en avais... Oh. Non. Là, par contre, non. Que j'en avais 22. Ça n'était pas normal. Oui, c'était pas normal. Et je n'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre aussi jeune. Toute autre fille de l'âge de Morgana ressemblait pour moi... Ah ouais, ce titre seulement. Et que je m'en souvenais que c'était plus un truc familial et pas ça. Ah ouais. Toute autre fille de l'âge de Morgana ressemblait pour moi à n'importe quelle gamine. Alors comment se faisait-il qu'avec elle c'était différent? Elle était couverte de cicatrices et à chaque fois qu'on se rencontrait, elle m'envoyait au diable. Elle refusait d'aller où que ce soit avec moi. Et quelle que soit sa quantité de glace que j'arrivais à briser, j'avais l'impression de ne jamais atteindre le fond. Et pourtant, malgré tout, le monde paraissait un peu plus beau quand j'étais avec elle. Ça me donnait envie de la voir sourire, malgré son visage déformé. Comment aurais-je pu l'exprimer en supposant que je lui parle, que je lui en parle? Même si son visage ne guérit pas toujours en 4 ans, je ferai de toi ma compagne pour la vie, Morgana. Mon Dieu, c'est vraiment nul. Il doit y avoir un moyen de le dire. Et voilà maintenant, je suis nerveux.
Tout ça à cause de Maria. C'était censé être un jour de fête. Pas le moment pour se tracasser avec ces stupides affaires de cœur. Peu après mon arrivée au bordel, par la porte arrière, Maria et une poignée d'autres filles libres furent leur apparition. Morgana, qui était censée être l'invitée d'honneur, était encore plus réservée que d'habitude. Les prostituées discutaient boulot entre elles sans se gêner, avec force en détails graphiques, en s'échangeant des infos sur les bons et mauvais clients, ce qui mettait Morgana incroyablement mal à l'aise. Dites les filles, vous pouvez pas changer d'attitude sur le sujet. Comme si on avait d'autres choses à raconter. Le but, c'est pas de pousser l'invité d'honneur à se cacher dans un trou de souris, vous croyez pas? Ah non, ne fais pas attention à moi. Je n'ai pas envie de parler. Dit Morgana, presque dans un souffle, la tête penchée. Mange quelque chose au moins. Les biscuits sont à peine sucrés et durs comme de la pierre, mais ils sont mangeables. Jacopo, espèce de timerdeux. T'as un sacré culot pour descendre les biscuits devant moi. Arrête, Maria! Arrête de me lancer des trucs! Les autres filles éclatèrent de rire pendant que Maria et moi on se chamaillait. J'espérais avoir aussi obtenu une réaction de Morgana, mais quand je tournais les yeux vers elle, son visage était inexpressif. Bon, mais tu as raison sur un point au moins. C'est la journée de Morgana. Alors changeons de sujet. Non, ça, c'est pas la bonne voix du coup. Ah bon, tu as raison sur un point, au moins. Mais c'est la journée de Morgana. Alors changeons de sujet. Dit Maria en riant après m'avoir jeté tout ce qui était à sa portée. Comme je l'ai dit, je n'ai rien à dire. Bien sûr que si. Il faut juste que tu fasses un petit effort. Je dis pas que t'es obligé de parler de ton passé, ça peut être n'importe quoi. Voyons voir, j'ai une idée. Non. J'ai une idée. Est-ce qu'il y a des garçons qui t'ont tapé dans l'œil? Je recrachais mon thé sur la table. Oui. Et là, je commençais à m'étouffer. Quoi? Pour de vrai? Putain de merde. Et c'est qui? Dis-moi, c'est qui l'ont élu? Dieu. Ah, lol. Toutes les discussions cessèrent. Maria m'accorda un regard de sympathie, puis je savais exactement ce que ça voulait dire. Désolé mon vieux, face à Dieu, tu fais pas le foie. Bordel. Tant qu'à rêver, autant réveille gros, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut viser directement Dieu Tout-Puissant, lui qui sait tout. Suis avec toi. Sale menteuse. L'herbe doit être sacrément plus verte là-haut, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu loin, tu ne crois pas? Après, avec Dieu, on peut pas être déçu. In-game? Dans le jeu? Parce que, attends. I guess. Ok. IG me dit c'est quoi IG? I guess, oui. Tu ferais mieux de te concentrer envers des mauvaises herbes là-bas, là-bas, d'ici bas. Est-ce qu'elle vient juste de me sous-entendre que je suis mauvaise herbe? Maria leva les yeux vers moi et me lança un large sourire en me voyant grimacer les dents, puis elle continua. Dis, pourquoi le jeune homme qui te tient? Attends un peu, arrête-toi tout de suite! Pas un mot de plus! Oups, moi et ma grande gueule, j'ai failli te marcher le travail. Ah, putain Maria! C'était pas bon. J'allais certainement pas la laisser me coincer comme ça pour me forcer à parler. Je jetais un coup d'œil à Morgana, mais elle ne quittait pas les yeux ses genoux. Je n'avais aucun moyen de savoir comment si même, elle avait réagi. Morgana, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Je reviens. Quoi? Je dois aller aux toilettes. D'accord. Morgana se leva de la chaise et quitta la pièce en silence. Je devais sûrement faire une drôle de tête parce que dès que Morgana fut partie, Maria se mit à rire comme une bossue. En guise de réponse, je balançai l'objet le plus proche. Mauviette! C'est si difficile de tout simplement lui dire. Ça aurait été plus facile si tu m'avais pas coincé comme ça. Et tu penses que je vais gober ça? Tu n'aurais jamais rien tenté si j'avais pas donné un petit coup de pouce. Si, à mon rythme. À ton rythme, tu vas jamais y arriver. C'est maintenant le bon moment.
Et t'en fais pas, avec les filles, on va pas se moquer de toi si tu prends ton pied avec d'autres... avec des... Non. C'est pas pour ça que je l'aime bien. En plus, je voudrais... je voudrais attendre au moins 4 ans avant que... C'est pas pour autant que tu peux pas lui dire maintenant. Je pense que ça l'aiderait beaucoup, vraiment. Elle est vraie, elle est... Enfin, tu sais bien... Enfin, donc je pense que tu... Tu penses que savoir que quelqu'un tient à elle allégera un peu son fardeau. Quand elle reviendra, donne-lui des colliers et dis-lui ce, ce que tu ressens. Et si elle t'envoie balader, on pourra se marier un bon coup tous ensemble. Maria et quelques autres filles éclatèrent de rire. Elles étaient très mal à l'aise, mais je devais avouer qu'elles marquaient un point. Au final, que Morgana partage mes sentiments ou non, il y avait quand même des bonnes chances pour que ça l'aide au moins à briser les murs qu'elle avait construits dans son cœur. Et un jour, peut-être, je pourrais enfin la voir sourire. C'est décidé, je vais lui dire. Peu importe si j'ai l'air d'un raté. Peu importe si Morgana n'est pas intéressée par moi de cette manière. Ce qui comptait, c'était qu'elle sache que quelqu'un l'acceptait comme elle était. Et quelle que soit son apparence, quel que soit son passé. Et si, par la plus grande des hasards, il s'est trouvé que j'avais vraiment du sang royal dans les veines, alors je pourrais tenir ma promesse et lui faire voir le monde. Je pourrais mettre un terme à son existence de misère et d'abus, pour la remplacer par une vie de confort et de richesse. Je pourrais lui acheter de meilleurs remèdes, quelque chose qui pourrait véritablement guérir son visage. Si j'étais véritablement noble, je pourrais faire tellement de choses pour elle. À m'entendre, on pourrait croire que je pouvais être une sorte de héros de conte de fées. Mais pour être honnête, ça ne m'aurait pas dérangé. Si mon but était de la rendre heureuse, d'effacer tous ses malheurs à passer, pourquoi n'aurais-je pas le droit de voir les choses en grand? Ce n'était pas mon genre d'ordinaire dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, je n'aurais jamais refusé, j'aurais pas refusé une fin de conte de fées. Mais ça, non, ce n'était pas du tout le genre de fin que j'avais en tête. Est-ce que ça vous dérange si on s'arrête là? Parce que c'est vrai qu'on avance bien dans l'histoire de Jacopo, mais je me pose une question. Soit je m'arrête là pour continuer dans un autre live et passer du coup sur Ghost Trick, ou alors je continue sur Fata Morgana et je fais pas de Ghost Trick. Il te reste environ 2 heures sans les pauses. Je pense qu'il serait intéressant de m'arrêter là. Comme ça, lundi, on terminerait Fata Morgana en entier. Et puis comme ça, on continuerait sur Ghost Trick. Comme ça, en fait, ça m'a aussi de... Parce que j'ai envie de quand même de faire un peu de Ghost Trick aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient, ça? Parce que... Est-ce que ça peut convenir? Ça va. Ok, parfait. Bah du coup on va s'arrêter là, comme je dis, parce que du coup j'ai envie de faire du Ghost Trick juste après, parce que oui, on a quand même bien avancé, on a quand même avancé 1h30 de live encore sur Fata Morgana, mais comme je dis, j'ai envie d'avancer sur Ghost Trick, et je me dis que si je n'ai pas le temps par la suite, ça va être un peu compliqué. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci pour ceux qui ont suivi la VOD. On se retrouve bientôt pour la suite et la fin de l'aventure sur Fata Morgana. Puis si on rapproche de plus en plus, normalement le prochain live ce sera la fin de Fata Morgana. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. On se retrouve bientôt, c'était Jeff, stay tuned for more. Vas-y, mais à la prochaine les gens.